Salut tout le monde et bienvenue dans ma Save Room. On se retrouve aujourd'hui pour la première partie d'un petit let's play de Resident Evil 0. Voilà, donc ces petites vidéos que je veux faire en avant, je vais essayer de faire certains petits let's play de RE comme ça. Voilà. D'habitude je les fais en live, sauf que vu que mon PC j'ai l'impression en train de canner, voilà, je vais faire en vidéo et au moins ça fera des petites vidéos pendant mon déménagement et ma recherche d'appartement et tout. Ça me fera une petite vidéo, des petites vidéos comme ça de prévu dans le doute que je puisse rien sortir. Voilà, il y aura au moins, il n'y aura pas rien qui sortira. Et donc ça déjà c'est la première raison. Et la deuxième raison, je vais vous l'avouer hein, c'est que j'en ai un peu ras le fiac quand je demande comment dire, d'utiliser du contenu à un autre site RE, en disant bien que je crédite et tout, comme dit non, fais tes propres trucs et tout. Je vous avoue, j'ai un peu le cul, parce que j'ai un peu l'impression que quand tu leur demandes quelque chose, c'est un peu comme si tu étais en mode, comme là quelqu'un m'a sorti qu'en gros, qui veut juste des informations pour avoir vite un truc à un site, par exemple un site web fait rapidement, et comme ça il peut avoir vite la fame, voilà, la reconnaissance rapidement, machin comme ça. Et ça, en gros, c'est ce qu'on m'a fait comprendre. Voilà, que je demande l'utilisation d'images, l'utilisation d'un contenu que je crédite. Donc, en créditant, ça montre bien que c'est pas mon contenu à moi. Que si je demande, c'est parce que je n'ai pas la possibilité d'accès. Comme par exemple les photos de Evil Resource, qui sont des photos ultra nettes, ultra propres. Quand on veut un site ultra net, ultra propre et qu'on n'a pas les moyens de s'y procurer, ben voilà, on demande à quelqu'un. Donc, ça, par exemple, il me l'a autorisé. Mais voilà, pour un autre site que j'ai demandé l'autorisation d'utiliser certaines images, des images erreurs. Il m'a dit que non, parce que voilà, c'est les images qu'ils avaient fait avec leur recherche, machin comme ça, et que je dois mieux faire mes trucs à moi, mes machins, voilà. Ça s'excuse, on m'a sorti, je crois, trois personnes qui m'ont dit fais tes trucs à toi, fais tes propres machins. J'ai l'air de comprendre, moi, dans un autre sens, en gros, on va pas te filer, on va pas te filer nos trucs, fais toi-même, démerde-toi. Parce qu'on a l'impression que tu fais pas grand-chose, parce que là, il y en a un qui m'a dit ouais, j'ai vu déjà que t'avais les photos des villes ressources. Bah ouais, et. Est-ce que ça veut dire que derrière on bosse rien? Est-ce que les créations de pages, c'est hop comme ça les pages sont créées? Non. Les pages je les fais. Les pages je les écris, je les fais en français. Je les. Voilà, bref. C'est mon petit coup de gueule là de début de vidéo parce que voilà, et du coup, vu que j'avais de base envie de faire RE 0, vu que mon but c'est de faire au moins une fois chaque RE sur la chaîne. Tout ce que je peux faire en stream, tout ça, RE 0 était prévu. Là, pour les pages du site web, j'ai besoin d'RE 0. J'ai besoin de certains trucs, notamment la clé penderie qui se trouve uniquement dans la version GameCube. Donc, voilà, version GameCube. GameCube, voilà, j'ai jamais joué dessus sur RE4, donc RE 0, donc une totale découverte. J'ai fait que RE4 sur la GameCube. Je crois que je l'ai même pas fini d'ailleurs. Mais voilà, au moins, voilà, grosse découverte. Vient d'être GameCube en main, et ça changera déjà de la version HD Remaster. Et au moins, ça montrera que, concernant les archivistes, on se sort un peu les doigts du cul pour faire nos propres recherches également. Voilà, je sais pas si c'est le show ou truc comme ça, mais leur réponse m'excite un peu parce que j'ai vraiment l'impression que c'est vraiment en mode oh, mais les gars, on a l'impression que vous faites rien, faites vos recherches par vous-même. Bah ouais, mais je suis désolé si vous avez les meilleures images et que nous on n'a pas la possibilité d'en avoir, ça vous coûte quoi? Ça vous coûte quoi de nous les prêter? Voilà, de les prêter. Peut-être qu'un jour j'aurai peut-être les moyens ou quelqu'un dans l'équipe des archivistes qui puisse me récupérer des images en bonne qualité, tout ça, et à ce moment-là, bah voilà, vos images ne me serviront plus et je mettrai les nouvelles, mais là, actuellement on peut pas. Voilà. Mais bon. Du coup, j'ai la poubelle. Ah, je m'échauffe avant le jeu. Allez, comme ça, voilà. Je vais pouvoir faire une petite run de RE0 en normal. J'aurai ma petite clé de penderie. J'aurai le petit nom des costumes en français. Parce que, voilà, pour le site, tous les noms en français qu'il y a, toutes les descriptions en français, c'est moi qui ai retracé RE0 version PS4 ou PS5 pour aller chercher chaque objet, les examiner sous tous les angles possibles pour essayer d'avoir le maximum de phrases, mettre le nom de base et le nom une fois que c'est examiné. Et en plus, un petit guide pour vous dire où trouver l'objet, si au cas où c'est un objet spécial, où il se utilise ou si se combine avec d'autres objets, machin comme ça, voilà. Et ça, c'est pas quelque chose qui se retrouve de partout, hein, et encore moins en français. Bref, du coup, nouvelle partie. En normal. Alors, je connais pas les touches, et je vous avoue que RE0, je l'ai fait trois fois, je dirais. Voilà.
Alors, tout ce qui est cinématique, je les passe. Si vous êtes intéressé par tout ce qui est cinématique, ce sera plus sur la chaîne des archives, si vous voulez de l'information dessus. Sur les jeux, c'est tout ce qui est cinématique, tout ce qui est lore, tout ce qui est machin, allez voir bah, la chaîne YouTube des archives pour tout ce qui est description visuelle et le site web pour tout ce qui est le lore, tout ça. C'est tout disponible actuellement voilà, sur le site web Hero0, concernant Hero0. Mais moi. Ouh là là. Mais moi, voilà, là, j'ai juste besoin de jouer au jeu. Alors, attendez, on va. Se fier un peu aux touches. Par contre, on court. Voilà, ok. Ah, courir, j'ai trouvé. Ouais. Courir, c'est B. Ok. 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 Viser. L'inventaire, c'est quoi l'inventaire? Ok, c'est ce bouton-là. Ok. Bon, on va faire comme on peut. Bon, voilà, le prochain que je demande quelque chose et qui me dira, ouais, mais fais tes trucs par toi-même, j'irai, bah, va voir, t'as un let's play et que j'ai fait exprès pour avoir cette putain de clépanderie. Donc, la preuve que c'est chez les archivistes, on sort les doigts du cul, on fait pas tout, on récupère pas juste les projets des autres. Et si elle garde pas nouvelle autour là. Touk. Oh putain, c'est vrai qu'après il y aura les serveurs là. Tu sais, quand je l'avais fait sur la HD, il m'avait démonté la tronche et ça me devait servir. Ah. Ah, mais j'ai quand même joué avec le joystick, c'est terrible. Parce que sur console, je le fais sur joystick, mais là, le joystick de la GameCube, il oriente bizarrement. Je pense que c'est les touches remake, je crois qu'ils appellent ça sur HD Remaster. Parce que je crois qu'il y a le choix des commandes originales, et je crois qu'il y a un autre mode de commande, je sais plus si c'est... il y a un nom spécial, mais bon, c'est peut-être pas remake, c'est actuel, ou un truc comme ça. Et du coup, le joystick, il est plus simple. Il tient quelque chose. Par exemple, ça, voilà, la clé du train, quand on l'examine, c'est la clé du wagon-restaurant. Bah ça, je me suis amusé à récupérer chaque objet, cette petite clé, ces machins comme ça, exprès pour avoir les noms en français, pour le site. Mais non, on me dit, ouais, mais il faut faire quand même par toi-même les choses. Ouais, c'est vrai que c'est le voisin qui y fait. Combien de balles il me reste? Pas un bouton pour recharger? Bon, ça va. Ok, il n'y a pas un bouton pour recharger. Alors, je sais pas en combien de parties sera ce let's play. J'ai vu déjà qu'il y avait deux disques sur la version GameCube, donc. Potentiellement, peut-être en deux parties. Tout dépend si j'ai envie d'arrêter un peu avant. Hop, on va pas oublier de fouiller Edward. Parce qu'il a des mumunes. Ok. Il m'en donnait combien? Allez. Eh bien. Mais il n'y a pas de bouton pour recharger, je croyais qu'il y en avait un, c'est peut-être dans la HD Remaster. Mmh.
Ok, des zombies là aussi. Hein. Ah non. This is Rebecca. This is Rebecca. Donc pour tout ce qui est objet, lore, tout ça, je le répète encore une fois, vous avez le site web des archives où il y a même les documents, je ne ferai pas de lecture de documents. Tout est sur le site des archives. Il y a le lien dans mon Linktree, si j'y pense, je vais le mettre en description également. Là, c'est vraiment pour que, voilà, au moins vous avez le fait que j'ai déjà fait R0 au moins une fois, et une autre, comme quoi, encore une fois, on fait nos propres recherches également pour les archives. Je suis désolé d'être trop loin avec ça, mais voilà, ça m'a un peu gavé, je peux vous mentir. Je demande juste s'il y a de pauvres images avec crédit, lien et tout, s'il y a besoin, machin. Et, des images, quoi. J'espère qu'on n'entend pas trop le chien qui aboie dehors. Là on est le 18 juillet, donc il fait chaud. Je sais pas quand ce let's play sortira. Comme j'ai dit, voilà. Normalement s'il sort en août, je serai en plein déménagement. Donc, alors partenaire, qu'est-ce qu'il a? Alors, attends, comment on voit son inventaire au partenaire? Ah là, voilà. Ok. Je vais. Tac, parce que là, elle va être enfermée, donc ces munitions vont lui servir à rien. Tac, au moins je mets toutes tous mes œufs dans le même panier. Ah, faut que j'arrête avec ce joystick. Alors, j'avais qu'il y avait un bouton. Ouais, déjà, avec le deuxième joystick, je peux gérer Billy Quinn. Oh, la galère. Wow, je sais pas où il est. alors, normalement. Ah, c'est sur pause. Ok, sur pause pour. Il reste un repas de lui manger. Et là normalement en facile normalement là il y a des munitions, mais du coup ils n'y sont pas en normal et en difficile. J'essaye de me prendre un peu en main entre le joystick et la croix, parce que la croix j'ai l'impression qu'elle tourne moins vite que le joystick. Tac. Juste à Rebecca, elle est là-haut, elle active le bouton et hop on sera dans la salle de service. On sera pas mal. Ça va être compliqué sans joystick, hein. Mais bon. Bon, j'ai dit oui que je l'avais fait trois fois, mais trois fois en facile. C'est moi qui vois rien ou je suis myope? C'est pas là qu'il faut activer un bouton et après avec elle tombe en arrière? What? Un pétard. Oh là là, mais quelle horreur par contre de jouer avec la croix directionnelle, elle est vraiment pas pensée. Attends, qu'est-ce qui se passe?
Normalement, c'est un truc à actionner et Rebecca peut elle tomber en arrière à cause des sangsues. Oui, c'est là-bas qu'il faut aller. C'est tout au bout. Qu'est-ce que c'est? Teubé, c'est bien ce que j'ai fait la dernière fois, je suis monté sur le toit et après j'étais vers le truc, j'ai mis le machin, j'ai pas... What the fuck? Pourquoi elle veut pas capter le truc là? Tu montes normalement et t'as le truc avec le courant au sol, tu mets le courant, elle se prend une châtaigne, non elle prend peur des sangsues qui arrivent dans le machin, elle tombe en arrière dans la salle de service. Et à ce moment-là, faut envoyer les trucs en bas, mais vu qu'on a activé le courant, on peut aller dans la cuisine. Et là, pourquoi il veut pas? Oh, wow. D'accord. La version HD Remaster est beaucoup plus accessible. Hein. Visuellement, déjà, on voit quelque chose. Là, voilà. Ça, tac, on met le câble d'alimentation. Il y a même des sangsues qui spawn. Elle la prend peur, elle tombe en arrière avec les sangsues, même, je crois. Je crois même qu'il y en a qui se jettent sur elle et après qu'ils disparaissent mystérieusement. Là, et là il y a les sangsues qui arrivent, il y en a une je crois, ou deux qui lui sautent à la tronche. Elle tombe et là il n'y a plus de sangsues. Voilà. Alors, je sais que j'oublie des choses et que voilà, je suis pas non plus un pro dans les rues, mais je sais qu'il y a des choses quand même que j'ai un minimum enregistré. Qu'est-ce qu'on a là? La clé du train-train. C'est la clé du bureau du contrôleur de mémoire. Tac. Alors, l'ascenseur de service est arrêté au niveau moins 1 à l'appeler. Oui. Putain, j'ai beaucoup aimé dans Hero 0 ce petit truc de passe-plat où tu envoies tes objets à l'un, à l'autre. Bon, le seul truc un peu chiant, c'est au bout d'un moment la petite cinématique qu'il y a à chaque fois. Voilà, ouais. Vous voyez, vous placez un objet. On va placer la clé-clé. Sur le bouton, oui, faut pas que j'oublie de ramasser tout ce que je trouve, comme ça après une fois que le train il se crash ça sera tout posé par terre. Ah non, ça c'est pause. Ah, ok, changer de personnage, c'est ce bouton là, c'est le X. Ah, ok, comment s'oriente le joystick? Ok. Faut juste capter dans quel sens c'est le personnage et après faut l'orienter. Les joies des caméras fixes. J'ai pas l'impression que c'est ça dans le HD Remaster. Dans le HD Remaster, j'ai l'impression que les joysticks ils sont mieux réfléchis, mieux pensés. Vous voyez là, je comprends pas ce que je fais. Et je vois que la croix directionnelle. C'est pas mon kiff. Tac. Allez. Il y a un objet à prendre. A qui? Je vois que Rebecca, ça peut m'envoyer la plante. Quoique non, normalement il y en a dans le bureau du contrôleur. Il y a une plante verte et une plante rouge. En mode c'est en facile, mais bon, même si c'est en facile, c'est pas grave. Là, il n'y a rien, il faudra le levier du panneau pour ouvrir. Allez. Allez, allez, allez. On est déjà 20 minutes, sérieux. J'ai l'impression d'avoir rien fait. Je sens que je vais faire un câlin à un zombie. Il est où? Ah, le con. Oh! Oh, c'est passé. Oh, c'est passé. Je sais pas comment j'ai fait, mais c'est passé.
Ok. On rush, ligne droite. Ah, bah non, fallait pas aller ligne droite. Ça va. Je pensais que l'autre il allait me choper aussi. Ok. Je vais faire les salles dans le doute. Je crois que celle-là, c'est la salle où il y a... Je vais vérifier, mais je crois que c'est là dans le mode... Une fois qu'on a fait le mode Lich Hunter, qu'il y a les trucs, non? Je dirais. J'avais des munitions de pistolet. Miam, miam. Normalement, il y a un document sur la valise. Je crois que c'est tout, après, ouais. C'est ça, après là-haut, je crois que c'est sur le là-haut sur le lit, je sais plus où qu'il y a les trucs qui apparaissent. Bon, le document. Pour cette run-là, on s'en fiche. Encore une fois, je le répète, c'est dispo sur les archives Aerobio. Donc, je les ai lus, les documents, ne vous inquiétez pas. Ceux-là, je m'en sais pas leur rapport d'enquête ou le journal du passager. Peut-être le journal du passager. Là c'est rum. C'est vrai que je parlais de mélanger les plantes, mais c'est vrai que Billy ne peut pas. C'est un peu con. Ok, il y a ça. Ouais, directive d'enquête, je savais qu'il y avait un truc d'enquête. Il est là-dedans. Est-ce qu'il y a des rubans encreurs? Ouais, là-bas. On va les prendre et les poser par terre parce que là pour le moment j'en ai pas besoin. Tac, ok. Quoique, est-ce qu'on fait une save ici? Ouais, alors on va faire une save ici. Je trouve pas con. Je trouve que c'est la seule salle de sauvegarde. Moi je vais pouvoir tester si ça fonctionne la carte mémoire qu'il y a dans la console parce que. Il y a une machine à écrire, enregistrer les données, oui. Slot A. Pas de données, pas de données. Ah, il y a des données déjà présentes. Ok. La personne qui l'avait avant avait déjà fait des runs. C'est ce que je vois. Je sais pas du tout. Comment ça se goupille. Je connais pas du tout. Tout ce qui est GameCube, tout ce qui est, tout ce qui est technologie globalement, je connais pas, je suis pas du tout de ce genre-là, de ce bord-là. Hop là. Ange Calo, tu n'aurais pas oublié de poser tes rubans encreurs par hasard? Bien sûr que si, bon, on va les poser là. Hein. On fera un mouvement de porte en plus, mais bon. J'ai envie de tenter le Stinger au couteau. Je sais que je l'ai déjà fait, donc... J'ai envie de tenter le diable. Vous avez utilisé la clé, nanana, vous n'avez plus besoin de l'acheter, oui. J'ai envie de tenter au couteau. Voilà, se faire des petites folies. Là voilà, les deux plantes à mélanger, la carte du train. Là, le petit bouton rouge à appuyer pour avoir l'échelle qui tombe du plafond. Qui mène au bar salon. Ok. Pareil, tout ça, tous les noms des pièces que je donne, vous avez tout sur les archives. Alors là-dedans, dans le placard, c'est pour avoir la valise où il y a la carte bleue du conducteur. J'en ai pas besoin pour le moment. Ce que j'ai besoin, c'est de monter. Cette montée. Hop. Alors par contre, avant qu'on me demande, je n'ai pas eu du tout la demande si je voulais en 16/9, 4 tiers ou voilà, donc c'est que où il y en a qui sont pas contents que c'est pas en 4 tiers, parce que j'ai l'impression que c'est pas en 4 tiers, on m'a pas laissé le choix, hein. Ou j'ai pas trouvé, voilà, je me suis dit, allez, vu que j'avais fait le délire pour R1 à 96, voilà, je vais le faire, j'ai pas trouvé, j'ai fait, non, on m'a pas demandé, j'ai pas cherché plus loin.
Peut-être qu'il y avait dans, peut-être dans les options d'écran ou de je ne sais quoi. Je sais que j'ai augmenté la luminosité déjà, je l'ai mis à 100. Elle était à 80 et c'est déjà très sombre. Là, il y a le pic à glace pour le moment, j'en ai pas besoin. Parce que je vais aller fouiller cette pièce-là où il y a le fusil. Fusil ou fusil de chasse? Je crois que c'est le fusil de chasse. Et le fusil du centre de formation, c'est le fusil de base. Ok, ok. Oh. Beaucoup de choses dans cette pièce. Ah, mon cher ange calot. Tu as oublié cette information-là. Ok, ok, ok. Là, je crois que c'est des rubans encreurs. On va les prendre pour les reposer par terre. Moi, je sais qu'il y en aura quand le train se crachera si j'en cherche. Ok. J'ai envie de tenter. On est joueur. Oh, j'ai envie de dire là, en ce moment, j'étais repos avant de potentiellement prendre le boulot avant les déménagements. Donc, j'allais dire, même si je termine un peu plus tard, parce que j'ai envie d'essayer au moins une fois. Je vais prendre quand même le fusil avec moi dans le doute. Prendre le spray pour le reposer par terre. Bon, j'en ai pas, je peux le garder sur moi. On est à combien là? Bon, tout pris. C'est pas grave. C'est pas perdu. Non. Non. Je t'ai pas demandé de ramasser, je t'ai demandé d'aller prendre la porte Bougredan. Ah, mais frère, qu'il faut que je prenne le pic à glace pour enclencher le script du Stinger. On va laisser les... Ça. Non, on va laisser la plante. Je le sens un peu mieux à le faire au couteau sur console. HD remaster mes couilles dans l'eau, mais là... J'ai un peu moins le... la certitude sur cette version GameCube. On va essayer, hein. C'est un trophée, c'est pour ça que je l'avais fait sur console. Alors, t'es où? Ouh là 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 là. Ah bah... Super, déjà un coup pour de la merde. Concentration quoi.
crever au bout d'un moment. Easy. Le mec il fait le malin dit, quand il va tomber sur le Stinger, le Centurion ou machin comme ça, il va beaucoup moins rigoler. Mais je l'ai fait. J'ai réussi à le faire sur GameCube. C'est enregistré, même si je meurs après, je m'en bats les couilles. Je vous laisserai ma mort exprès. Ok. Fou, si j'en ai du stuff à aller récupérer. Ça me fait chier pour le pompe. Tiens, on va y laisser. Ça, on va y laisser. Je vais aller rechercher mon gun. Tac. Ah là là. Oh, je sens que je vais perdre 3 heures déjà juste pour me déplacer. Ok, là il y a ça. On s'en fiche. Je veux mon petit pistolet. C'est quoi ça? C'est lui? Ouais. Prends le pistolet. Parce que le fusil, il vaut mieux économiser les balles. Donc, et garder pour les ennemis un peu plus coriaces, un peu plus relou. Là, j'ai économisé plusieurs munitions en le faisant au couteau, ce petit Stinger. Il me reste combien de place? 2. Faut que je récupère le levier qui prend un emplacement. Du coup, je peux récupérer les rubans encreurs et aller les poser en bas. Au moins, ils seront en bas. On sera pas mal là. Tac. Et là, cette pièce-là, là, il y avait une penderie, c'est là où il faudra aller avec la clé penderie pour récupérer les costumes dans la version GameCube. Et la version Wii. Chose que dans la version HD Remaster, on n'a pas, parce qu'on a directement une valise dans notre inventaire, qui du coup, bah là, comme vous l'avez vu, voilà, là on n'y a pas, on a juste le briquet. Dans la version HD Remaster, on a une valise qui du coup, pour nous changer de tenue. Ok, ça j'y laisse, ça j'y laisse. Et le couteau j'y laisse. Le levier il est là. Le levier du panneau. Du panneau. Ok. Nakidaki. La série Fallout, je l'ai pas encore terminé, il me reste 2 épisodes au moment où j'enregistre là le 18 juillet, il faut que j'y termine. Il me reste 2 épisodes de la série Fallout sur Amazon Prime, mais franchement, j'ai beaucoup aimé. Je connais pas du tout l'univers Fallout, voilà, je connais deux noms quand même, je suis pas non plus un inculte comme ça, mais je connais juste deux noms, j'ai jamais joué au jeu Fallout. Après voilà, la série ne me tente pas non plus que ça à jouer au jeu, parce que comme je dis très souvent, je ne suis pas du tout un gros joueur. Donc voilà, les jeux Fallout me tentent pas plus que ça, mais la série en vrai... beaucoup aimé. En ce cas là tu vas t'équiper d'un pistolet. Parce que tu parles c'est beau. Ok. Alors ça on va les récupérer. Est-ce que je fais une save? Écoutez, on est là pour jouer à la sûreté. On va sécuriser notre... on va sécuriser notre centurion au couteau. Bah, j'ai juste fait un petit dégât à la con, ça me fait un peu chier. J'aime pas eu ma vie du coup, ce que j'ai baissé parce que je me suis pris quand même une morsure de zombie et un coup du centurion. Toujours en queue. Il encaisse Billy, il encaisse Billy. Donc on va faire une petite save. Si j'arrive à capter la machine à écrire. Comme je vous ai dit, on est là pour voir ma prestation sur Hero Zero, au moins. Ça sera acté sur YouTube que je l'ai déjà fait, parce que voilà, je vous dis à chaque fois que je l'ai fait 3 fois, mais des gens peuvent ne pas me croire, bien évidemment. Là, au moins, il y aura une preuve. Un peu dans la même philosophie que l'ami Wiper, par exemple, avec tout ce qui est ses guides explicatifs, tous ses projets, ses CVRE. Voilà, il prouve lui via des images, via des représentations et tout. Bah, moi, je prouve aussi que voilà, j'ai fait au moins une fois la plupart des RE.
une bonne majorité. Donc n'hésitez pas, si vous découvrez avec cette vidéo là, à faire un tour sur la chaîne, parce que vous pouvez voir, j'ai fait d'autres let's play comme ça. J'ai fait du RE1 96, RE2 98, faut que je termine là. Normalement ça va peut-être faire partie des petits let's play que je vais vous tourner. Ça fera peut-être partie, ouais, des petits let's play que je vais vous tourner. Hero 3 et 99 est fait. Survivor 1 est fait en facile. Mais j'aimerais bien le tenter en normal. Ouais, c'est ce que je me disais, j'entends plus marcher. Donc ouais, il n'y en a que deux. Donc, Hero 4 original est fait avec son DLC Separatways. Qu'est-ce qu'on a d'autre que j'ai fait? Survivor 2 qui est fait, Dead Aim, les Outbreak 1 et 2, bon facile mais bon, pas trop m'en demander non plus. En vrai, j'ai un bon petit truc. Dodo toi. J'ai un bon petit planning concernant les erreurs qui sont déjà été faits et tout, que j'ai pu montrer comment j'ai fait une fois. Oust, vilaine bête. Donc je suis assez content quand même de ce qu'on, où on en est sur la chaîne concernant les RE. Là, quand je dis RE 2, faut que je termine RE 1 remake avec une run de Chris aussi. Et prochainement, un des gros bébés que je dois m'occuper, ça va être Code Veronica. J'ai encore oublié de laisser mes bancreurs. Nick. Billy, tu vas essayer de les garder sur toi. Déjà, j'ai pas la mallette à me trimballer que j'aurais pu avoir à me trimballer. On va essayer de voir du positif. Le pic à glace, comme ça la petite Rebecca va pouvoir me rejoindre. Touk touk touk. Et le panier et le levier de panneau va disparaître aussi. Mais par contre, j'aurai le grappin à récupérer qui prend deux emplacements. J'aurai un des anneaux, je crois que c'est le doré. L'anneau doré, je crois, qui est dans la cage des Cerbères, qui seront juste après le passage derrière. Changer de personnage. Ça, ça va. J'ai le bouton. Rebecca. Chambers. Il y a un objet. Le prendre. Yes, sir. Le pic à glace. Tac, normalement j'ai tout récupéré dans cette pièce. Ouais. Quelque chose est coincé dans la poignée, on peut pas tourner. Vous pourriez sans doute la débloquer avec quelque chose de pointu. D'accord, plus tard les clés, je vais ouvrir l'inventaire, là faut que je l'ouvre pour ça. On va pas reparler d'un petit coup de gueule que j'ai fait sur Hero 3 99. En vrai pour le moment j'ai pas tant ragé que ça. Ah, encore une fois, sur Hero 0, hein, je parle pas sur Hero 3. Hero 3, je crois que c'est un des pires où j'ai ragé. Oula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 l
Aïe. Ah, Rebecca, elle en a mis du temps avant de se capter. Hein. Mais Billy est toujours en hockey. Hein. Billy est toujours en hockey. Et... les missions de fusil, qui c'est qu'il y a ça? Bah, le bidon, on va le prendre comme ça. Je sais qu'il est pris. Qu'est-ce qu'on a là? Un spray, on va le prendre comme ça. Il est pris. Qui c'est qu'on a là? Non, pas ça. Ça. Rebecca Chambers. Je crois que t'as maximum un temps dans ton inventaire, Rebecca. Prends les munitions de fusil, ma petite Reb. Tac. T'as quoi dans ton inventaire du coup? Une plante verte. Recharge ton arme parce que là c'est un W. Ah bah on en a dans l'autre sens. Ok. Tu vas chercher le fusil en haut après, faut que j'y pense à ça. Rebecca, du coup tu as deux emplacements, c'est cela? Yep, donc c'est toi qui prendras le grappin. Et Billy, il a tout ça à gérer. Le spray, je vais le laisser là parce que t'es là vu que je vais devoir revenir avec Rebecca. Au moins, je sais qu'il y a un soin ici. Au cas où je me fais déglinguer sur le chemin. Là, Billy va juste me récupérer quand il aura fini de faire le teubé. Et ben, en même temps, c'est des cages de Cerber, mon gars. Ça pue la pisse de chien là-dedans. Est-ce que ça pisse un Cerber? Ça, c'est une bonne question. Demandons aux développeurs de RE0 et de RE1. Voilà. Allons demander à notre grand Mikami. Est-ce que les Cerbères, ça pisse? En vrai, je pense pas. Je pense juste que ça pue parce qu'ils sont en décomposition, les coups. Alors. Vous allez vous séparer. Rebecca. Voilà. Tac. On va te mettre là. Et toi, mon petit Billy. Jean. Tu vas aller là-bas. C'est le levier de déverrouillage. L'actionner. Oui. Hop là, El Grappino. Petit objet, petit équipement à faire très attention où on le place. Parce qu'il y en aura besoin à un certain moment de l'histoire. Et que si vous l'avez mal placé autre que ça, vous pouvez vous retrouver bloqué. Et si je ne veux pas vous mentir, c'est une des peurs que j'ai. Normalement, je sais à peu près où le placer, mais voilà, vu que je suis en let's play, comme ça, on connaît alors, les conneries qu'on peut faire. Mais je repote ton frein manuel, je la porte. J'ai pété un câble. Je veux la porte, Rebecca, la porte. Voilà cette porte là. C'est vrai que je me suis pas mis en plein écran tout à l'heure, je joue en petit écran. J'aurais peut-être mieux comme ça, non? Ange Calo, voyons. Alors moi je pourrais surveiller le son et tout. Bon, quoique c'est tout pixelisé du coup. C'était plus beau quand c'était petit. Ok. Ok, ok. La porte est déverrouillée. Okidoki. Okidoki. Ah, il y a l'autre qui va sortir de son truc, non? Joué, Billy. Ok, 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 ok. Oula, qu'est-ce que tu me fais? Ça me fait parce que les bruits que j'entends, les gling 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 gling, j'ai l'impression d'être dans les RE4 remake où il y a les petits Salazar, les petits châtelains là qui bougent. J'ai envie de chercher dans le décor où ils sont cachés. C'était nos bruits à nous? Non, il y a du peuple. Ah, Billy m'a réveillé un zombie.
assez de Billy, hein. Parce que la femme qui fait tout, hein. Tac. Ok. Hop, 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 hop. Merci Billy. I love you one. Ok. Qu'est-ce que je fais là? Est-ce qu'il y a du peuple qui vont faire chez Billy pendant que je serai en haut? Non. Ah si. Billy, tu cheats, hein. Aïe, mais... C'est honteux, hein. C'est lui qui excite et c'est moi qui ramasse. Ah, attention, là, avec attention. Alors, un emplacement de libre, c'est ce que j'ai besoin en haut. Quoique, on va laisser ça là. Merde, elles sont où? Oh. Oh. Par la fenêtre, vous pouvez une échelle cassée, vous n'avez pas besoin pour le moment. Bah, si. J'en ai besoin pour aller chercher le deuxième. Froum. Quel bruitage. J'en ai besoin pour aller chercher le deuxième anneau, l'anneau d'argent, qui se trouve dans la boîte à bijoux, dans le placard de la cabine 102. Je confonds parce que j'ai l'impression qu'il est en sens inverse, je crois que les 100 sont en haut et les 200 en bas. Où sa maman? Pas vu le sang. Ah si, c'est bon. Ok. Ok, ok. Ok, ok. La petite boîte à bijoux. L'arme là-bas, c'est un couteau. Il y a rien d'autre. Ah, l'émission semble facile qu'il y ait une boîte de munitions de pistolet là. Alors, je vous avoue, j'ai fait tous les trucs sur le site, mais il y a tellement de salles. Rien que le centre de formation, il y a, sans compter son sous-sol, il y a 34 salles. Donc voilà, il y a des trucs, je me souviens à peu près où ça se trouve, mais d'autres, je l'avoue. Et puis les différences entre facile, normal, machin et tout. Ok, donc là, faut que je parte, et faut que je parte en direction de l'escalier, parce qu'il y a tous les yeux qui vont éclore. Tu es orienté, Rebecca. Oulalalalalala. Bon, une petite plante verte. Hop là. Ça se retrouve avec Billie Jean. That's my love. That's my love. Ok. Billy. On suit, est-ce que tu me suis si j'avance? Come on. Ah non. J'ai pas fait de vérifier. On avance, Billy, on avance. On s'occupe pas des zombies. C'est qu'un détail. J'ai envie de dire, là j'arrive à la fin du train, donc je vais peut-être faire une save maintenant. Ok, je vais laisser. C'est qui, c'est Billy qui a les trucs? Ah, Billy. Tac, voilà, mets-toi dans mon champ de vision. Alors, tac, moi j'ai deux plantes vertes, ça, on va le laisser. Ok, ça, on va laisser. J'aurais dû en laisser une. Puis je vais la garder sur moi, tac. Laisser l'objet plante verte, ouais. Ça, on va le faire maintenant, examiner. Là, on dirait une boîte à bijoux, l'ouvrir. Tac, l'anneau d'argent. Ah, une bagouze. Ok. Ok. Là, hop.
toi, qu'est-ce que tu as? Tu as ça, si, ça, si, ça. Ça, tu vas le donner à Rebecca. Ok. Tu vas récupérer le... Le scrap. Tu vas le récupérer. Oui. Comme ça, Rebecca récupérera le fusil en haut. Toi, tu vas rester en bas, mon petit Billy Billy. Billy Boy. Tac. Ça, tu seras à côté de la machine à sauvegarder. Quand je redescends, on se fera moins chier. Ok. Donc là, on va se séparer de nouveau. Non mais, arrête de faire un moonwalk, espèce d'abruti. Et tu vas dans la pièce qui sert de save room. Pfiouf. Tac. Ouais, je pense qu'on va faire en par zone à peu près. Tac, tu restes là, Billy. Change de truc, c'est là. Ok, ma petite Rebecca. Tu n'as pas d'armes, mais normalement, il n'y a plus d'ennemis. Le train est en avance, donc il n'y a pas de cerbères qui vont sauter par la fenêtre. Lui, il fait dodo. Donc, tu vas aller ici. Tu vas me mixer les deux plantes qui sont sur le rebord de la fenêtre. Tac. Ok. Au pire, je vais laisser la plante verte et je vais garder juste le soin complet. Comme ça, ce sera pas mal. Là, tu vas me récupérer la, la mallette. Je dirais. Sauf si on change le nom dans la Jerry Master, c'est vrai que je peux vérifier, oui, la mallette. Tac. Et tu vas me combiner les petits anneaux ensemble. Je suis désolé pour le bruit qu'il vient d'avoir là, des camions qui passent. Examiner. La mallette est déverrouillée, l'ouvrir, oui. Et hop, la carte d'accès bleu. Avec dessus Jimmy Lewis. On voit pas son nom. Ah, on voit pas son nom dans l'HD Remaster. On voit bien que c'est marqué Jimmy Lewis dessus. D'où le fait que du coup j'ai fait une fiche lore à ce personnage là. Voilà. D'où il sort son blaze. Monter l'échelle, oui. Tu allais m'en chercher le fusil. Parce que c'est ce que tu as utilisé pour rejoindre l'arrière du train. Le fusil, il est là. Fusil de chasse. Et ses cartouches. Okidoki. Je vais me l'équiper. Ah, avec cette cartouche, vu que j'ai pas récupéré celle là-bas au fond. Aïe 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 aïe. 9 cartouches, il va falloir être bon les gars. On va essayer. l'autre pièce, qu'est-ce que j'avais laissé? J'avais laissé quoi? J'avais laissé un spray. Et... Je sais plus tout ce que j'avais laissé. Mais bon, normalement j'avais tout ramassé. L'autre pièce j'ai tout ramassé. Normalement c'est bon, hein, je crois que j'ai tout ramassé au moins une fois. Donc on est bon pour avancer dans l'histoire. Là, j'attends vers la porte. Où il faut utiliser la carte. Billy, fais la sauvegarde. Et on sera bon pour aller dans la locomotive. Tchou tchou. Tac. On va attendre. Attends, y'a pas lui qui se lève là? Ah non, il se lève peut-être après. Ouais, il se lève peut-être quand on revient. Je crois que... Mais j'ai le souvenir que lui il se lève, ce jeune cachotier là. Changer de personnage. Billish. Oui, bah arrête de te regarder ta menotte là. Il y a une machine à écrire. Enregistrer les données, oui.
Slot A. Mais... Oui. On n'est pas là pour faire du scoring ou machin comme ça, encore une fois. On est là pour jouer la sûreté. Okidoki. Est-ce qu'on m'a cherché? Non. Rien d'intéressant. Je vais pas poser mes rubans. Moi. Enfin, Billy il va pas bouger de là-bas, j'ai envie de dire. Bon, ça devrait le faire, je pense. Tac. This way. Roger. Allez Rebecca, c'est toi qui as la carte. Aïe aïe aïe. J'arrive vraiment pas à m'y faire. C'est fermé. Et ben, utilisez cette carte, espèce de cruche. On en a pas besoin pour l'instant. Plaît-il? Bah en même temps l'angle de vue il aide pas beaucoup hein. J'ai l'impression qu'il est là le truc pour la carte. Ouais. La porte est déverrouillée. Vous n'aurez plus besoin de cette carte. La jeter. Oui. On va garder Rebecca parce que vu qu'elle a le fusil. J'ai pas envie qu'il y en ait un qui s'amuse à faire. L'équipe Delta de l'USS. Qui se sont fait manger par les sangsues. C'est comme là par exemple, je sais qu'il y a des missions de pistolet dans la pièce, mais je sais qu'en facile il y a un certain nombre, je crois qu'en normal il y a un certain nombre, je crois qu'en difficile, soit il n'y en a pas ou soit il y a un certain nombre, mais il n'y a pas le même nombre de munitions en fonction de difficulté. Ce que je vais penser, je vais vous laisser assez mettre quelques secondes, et je vais aller récupérer les codes sur le site des archives Aerobio. Attendez, on est là pour faire la promo ou pas? Si vous intéressez sur les archives Aerobio, vous avez dans bonus. Et quand vous allez dans les lieux de Hero Zero, je vous ai mis les codes pour le frein. Vous avez normalement dans, voilà, dans guide, vous avez les 5 codes différents, 36, 42, 53, 67, 81, et je vous dis lesquels boutons il faut appuyer. Ça, voilà, ça évite qu'on se stresse pour de la merde. Qui va rester en arrière? Alors là, je crois qu'il faut prendre la question à l'envers. Je crois qu'il va rester en arrière, c'est qui va du coup aller actionner le frein en arrière de mémoire qu'on avait fait ça. Je crois que j'ai mis. Voilà. À la question qui va rester en arrière, si vous répondez Billy, alors Rebecca se rendra au wagon arrière. Non, c'est bon, c'est ça du coup. Reste en arrière, c'est-à-dire qu'il reste dans cette pièce-là. Et inversement, si vous répondez Rebecca, c'est Billy qui se rendra au wagon arrière. Donc là, voilà, pour faire un petit truc sympa, on va dire que c'est Billy qui va rester en arrière. Donc Billy qui reste en arrière, c'est Rebecca qui se rend au wagon arrière. I'll go over to the back deck and manipulate the control panel for the brake. You stay here and apply the brake when ready. Okay. Okay. Voilà, il y a des missions ici, par exemple. Tac, la carte. Ne jamais oublier de prendre la carte, sinon vous allez vous retrouver niqué comme ça m'est arrivé une fois. Là, je crois que j'ai été placé. Ah, c'est bon. Ok, okidoki. Alors, je vais donner les balles à Billy, comme ça j'ai un emplacement de libre. Tac, voilà. Allez, on silence. Il y a une bestiole qui est en marche sur mon écran. Dégage là. C'est la petite bestiole là. Dégage. Je hais l'été. Surtout quand tu mets des moustiquaires et que ça sert à rien parce qu'il y a des bestioles qui rentrent quand même. La merde.
Là, il y a un coquin. Je sais pas où il est. Je t'entends marcher. Oh là. L'esquive de la loutre. Non, pas lui. Oula. Lalalalala. Ouais, mais là, ça devient compliqué niveau mission. Ah. Ah, c'était presque passé, hein. Elle est comment là, ma petite Rebecca? Ouh là là, elle est pas bien. Oh, attention, ça va. Bien joué. Parce que je sais pas si je vais m'en prendre un coup ou pas. Je crois qu'après, il y a plus de zombies dans la cuisine. Mais j'ai un gros doute. Vu qu'on a tué le cuisinier, je crois qu'il y en a plus, mais... Ouais, si on arrive avec Rebecca ici, bah, du coup on voit notre petit Edward en train de se faire un petit casse-dalle. Avec une petite musique triste tout nette, mais bon. C'est la vie, hein. Ça sert. Est-ce que je peux les prendre ou j'ai pas de place? Ça sert contre les putains de simulacres de Marcus. Alors là, je vais me soigner parce que quand le train va se crasher, on va être dans une zone avec des zombies. J'ai peur que Rebecca s'en bouffe. Hein. Donc, dans le doute. Je préfère me heal. Je vais prendre un deuxième soin. Oh là. J'aurais peut-être dû combiner avec ça là. Je sais pas si je peux. Ah non. Est-ce que j'ai un truc à poser là? J'aurais bien fait déjà des cocktails comme ça, ça aurait été fait. Après, j'ai envie de dire, je serais qu'ils seront en bas, quoi, si j'en ai besoin. De toute façon, dans le cas, ça va rester en bas, donc. Ouais. Allez, que ça ne tienne. Ok. Et là, vous allez voir, je vais pas réussir à choper le frein, alors tout à l'heure, j'ai bugué dessus. On va utiliser la carte directement de planteur, je pense que c'est ce qu'on demande. Hey, quel numéro? 81. 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8. Et 9. This is Rebecca. I have engaged the control device for the... Et là, normalement, on a avec Billish. Il a 67, donc 67 c'est 7, 7, 7, 7, 7 et 9. Non, et 4. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Tac.
Je vais sauvegarder dans le hall et je mettrai fin à cette première partie. On sera bien Tintin. Comme dit notre cher Carole Kenten. Alors. Non, 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 non. Oh, le peuple. Je voyais que c'était aussi un peu... Attends, 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 les cartouches. Là, c'est un peu compliqué, là. Billy, 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 Billy. Billy, 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 viens. Billy, viens. Billy, viens. Aïe, je vous plante Billy. Billy. Ah, y'a le chien qui boit. Bon, je redescends nettoyer là, mais... J'ai peur d'user trop... Les balles que je vais avoir besoin d'ici peu. Billy, du coup, qui a pris des dégâts maintenant, il doit être. Toujours pas! Mais t'es un petit tank, mon petit Billy! Ah, il y a la manette qui vibre, je sais pas si ça faisait sur PlayStation dans le haut. Allez, monte, espèce de cruche! Tac! Ah putain, c'est qu'il a soif ce chien. Mon petit chien. Tac. Donc une save ici, puis on se dira la fin, et puis je lancerai une deuxième session. C'est Billish qui a les. Qui va me recharger son pistolet surtout. Ouais, je pense que je vais redescendre en bas parce que j'aimerais bien récupérer le pistolet de Rebecca. Au moins, ça éviterait qu'elle tire comme une teubée avec son pompe et qu'elle muse les cartouches. Attends, il y a des rubans. Il y a une machine à écrire, enregistrer les données. Oui, wish, wish, wish. Tac. Bon bah voilà, du coup c'est terminé pour cette première partie du Let's Play dans Cell 0. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. On va enlever la musique qui m'empêche de réfléchir. Non bah je peux pas. La carte peut-être. Non, bref. Voilà, donc du coup cette partie là, donc si... Vraiment c'est calculé comme je veux, j'ai envie, normalement semaine prochaine vous aurez la partie 2 qui sera je sais pas quoi, ce sera tout dépend de ce que j'ai envie de faire en partie 2 quelle zone et où je veux m'arrêter surtout. Donc voilà, vous avez déjà sur un partie qui est déjà disponible. Et voilà, normalement Hero 0 sera fait en entier sur la GameCube normalement. Et voilà, donc du coup juste à vous suivre, n'hésitez pas encore une fois à faire un tour sur la chaîne pour voir les autres let's play qui ont été faits. N'hésitez pas à faire un tour voilà, sur la chaîne Angelo pour autre que les let's play Resident Evil. Il y a plein d'autres choses, l'actu via les vidéos d'infos et rumeurs sur Resident Evil, tout ci tout ça. Et je vous renvoie également du coup sur la chaîne des archives Resident Evil Biohazard pour du coup voir des let's play également là-bas sur plusieurs jeux via des let's play également aussi bonus, notamment sur Renaissance Deadly Silence, voilà sur plein de petites choses comme ci comme ça. Il y a également les guides explicatifs de l'ami Wiper, donc Hero 0 il n'a pas fait. Mais on sait pas à l'avenir, tout ça on verra, seul l'avenir nous le dira s'il a la possibilité d'un jour de le faire ou pas. Mais il a déjà fait R1.96, R2.98 aussi tout ça. Donc il faut aller faire un tour sur les archives et également le site web. Le site web au moment où cette vidéo sortira normalement sera fini au niveau de RE0, il y aura concernant développement des petites vidéos, il y aura sa page présentation avec le lien du let's play, il y aura ces vidéos là, ces pages lore, ces pages documents et ces pages bonus, donc avec les lieux, les objets et les bonus qui sont récupérables dans Cell 0, et une autre page également sur les fan créations avec quelques let's play, avec quelques fan games, avec quelques cosplay également de Resident Evil Cosplay Production. Donc voilà, n'hésitez pas à faire un petit tour sur tout ça, il y a le lien dans mon Linktree pour tout ce qui est de la chaîne Angelo, la chaîne des archives et le site web. Si vous voulez faire un tour, j'ai également mon Instagram avec ma collection. Bref, voilà. Je vous laisse faire un tour, il y a mon link en description pour voir tout ce que ceux qui pourraient vous intéresser. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne tout ce que vous avez envie. Et puis bah. Ciao!